Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs, le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente, l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous, dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière semaine du mois d'avril. Nous sommes lundi 24 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un magnifique week-end. On termine ce mois d'avril avec le tarot, la sagesse des anges, et on terminera cette capsule avec le petit oracle des anges gardiens. Mais avant de commencer, univers infini, ma vie n'est que réussite et succès
à tous les niveaux. Amour, santé, finances et juridique. Dans un délai le plus bref. Ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. Pour commencer la semaine, eh bien, j'ai pigé une carte majeure, le renouveau. Et dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. Le renouveau. L'archange Jérémiel nous aide à faire le point sur la situation pour mieux choisir, eh bien, quelle voie prendre ensuite. Parlez honnêtement de vos pensées et sentiments à ceux que vous aimez. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc, cette carte, eh bien, est représentée par l'archange Jérémiel. Alors, pour certains d'entre vous, le succès connu avec le soleil fait jaillir la question « Et après ?» Eh bien, c'est le moment de faire le point. C'est le moment de réfléchir. Posez-vous la question « D'où venez-vous ? Où en êtes-vous ? Où voulez-vous aller ? Maintenant, c'est votre tour. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, réaliser n'importe quel rêve. Mais, comme pour tout, n'est-ce pas, il faudra visualiser clairement ce que vous désirez. Vous n'atteindrez pas votre objectif par hasard. Vous avez besoin d'un plan spirituel pour vous guider. Alors, pourquoi pas imaginer le futur, le plus radieux qui soit, n'est-ce pas? Utilisez pleinement la loi de l'attraction. Et quand vous aurez trouvé ce que vous voulez vraiment, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez passer à l'action. Alors d'ici là, n'est-ce pas, eh bien, prenez davantage conscience de vos éclairs d'inspiration et développez tranquillement des idées originales et créatives. Ces épiphanies font partie de votre raison d'être, n'est-ce pas? Elles sont là, oui, elles sont là pour vous guider, eh bien, vers la joie, le bonheur. Cette carte peut représenter un changement d'emploi ou même un changement de carrière. Ça peut aussi représenter un changement de ville. Ça peut représenter aussi une nouvelle étape importante dans votre vie. Peut-être l'appel à accomplir votre propre destin. Et certainement se libérer des jugements que vous avez sur vous-même et les autres. On vous invite à comprendre cette raison d'être. En tous les cas, avec le renouveau, il y a quelque chose qui vous attend, mais de magnifique. À partir du moment où vous avez fermé des portes sur certaines choses, on va vous ouvrir d'autres portes. Alors, pour ce qui est l'emploi, vous allez peut-être, changer d'emploi ou de carrière, ou vous allez peut-être avoir une promotion. Vous pourriez aussi changer de carrière dans une autre ville, changer un emploi dans une autre ville. Il y a en tous les cas, pour certains d'entre vous, une grande décision majeure qui doit s'accomplir, que vous devez prendre. Donc c'est une belle carte positive, n'est-ce pas? Le renouveau,
Mais oui, laissez tomber l'ancien pour un renouveau. Vous savez, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un emploi et que vous avez la possibilité de changer, mais changez. Maintenant, ça peut être aussi le renouveau dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse. Le renouveau ne veut pas forcément dire que vous allez quitter, pour certains d'entre vous, le renouveau peut être que vous devez mettre de l'eau dans votre vin pour qu'il y ait un renouveau dans votre couple, s'il y a encore de l'amour, n'est-ce pas? Pour d'autres, eh bien, c'est une porte qui se ferme avec votre partenaire et il y a un renouveau qui va venir à vous. Donc voilà, eh bien, on termine par le petit oracle des anges gardiens. Et j'ai pigé courage. Ose être différent, ose faire des erreurs, agis car c'est dans la création que tu existes, dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création, n'est-ce pas? Tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Eh bien, c'est un beau message du petit oracle des anges gardiens. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien. Et pour ma part, eh bien, je vous embrasse. À demain. Thank you.